Bonjour, toujours dans les dénombrements avec cette fois-ci l'exercice 29. Donc dans cet exercice, on se sert d'une machine à calculer avec uniquement les chiffres non nuls. Donc on a à disposition les chiffres de 1 à 9 et on appuie successivement sur 3 touches. Combien de nombres peut-on obtenir au total? Alors on reprend de nouveau les critères, ordre, répétition, tous les éléments obligatoirement ou non. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte? Oui, bien sûr. Est-ce que les répétitions sont possibles? Ben oui, on peut appuyer plusieurs fois sur le même chiffre, on pourrait faire 332 par exemple. Est-ce qu'on prend tous les éléments? Non, pas forcément, justement, et même de toute façon pas, puisqu'on ne veut créer que des. On ne veut appuyer que sur trois touches, donc on ne peut pas choisir les 9 nombres en simultané. Donc, ordre, pas tous les éléments, arrangement, ici, avec répétition. On a combien d'éléments à disposition? 9, les chiffres de 1 à 9, et on en prend 3. Donc 9 puissance 3, c'est-à-dire 729 possibilités. Pour le deuxième, c'est la même règle, mais commençant par 8, ça veut dire qu'on doit compléter uniquement avec 2 éléments, donc à barre 9, 2 ou 2 parmi 9, donc 9 au carré, 81. On en a effectivement 81 qui commencent par 8, 81 qui commencent par 7, 81 qui commencent par 6, etc., etc. Pour le 3, qui commence par 2 et se termine par 1, alors, même situation aussi, il commence par 2, se termine par 1, donc on peut dire directement soit 9 possibilités, pour compléter le chiffre au milieu, c'est un 9, à un 9, ou pour rester dans la logique des arrangements avec répétition, on a 9 éléments à disposition et on en prend 1, 9 puissance 1, 9, je l'avais déjà écrit, voilà pour cette réponse. Et puis enfin, on est toujours dans une logique ordre, répétition, pas tous les éléments, qui comporte deux fois exactement le même chiffre. Alors ça peut être par exemple 332, 464. Donc ce qu'il faut faire, c'est, on a différentes techniques, hein, mais ça pourrait être commencer par choisir le chiffre qui va figurer deux fois. Donc on doit choisir, sans tenir compte de l'ordre, pas de répétition, pas tous les éléments, on doit choisir un nombre qui apparaîtra les deux fois. On doit choisir ensuite parmi les 8 restants le nombre qui apparaîtra exactement une fois. Donc là, on est sur le chiffre double. Ici, on choisit le chiffre simple. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, on aurait très bien pu se dire ici, je peux faire la même chose en tenant compte de l'ordre, pas de répétition, parce que je veux avoir deux fois un chiffre et puis un autre, j'en choisis deux parmi neuf. C'est exactement la même chose. Et par contre, il faut compléter ceci maintenant par, si j'ai choisi le chiffre double, 4, le chiffre simple, 6, alors j'ai 446, 464, par exemple, 644, comme possibilité. Donc je peux permuter ces chiffres avec répétition. Je sais que j'en ai 3 au total, parmi lesquels 2 sont les mêmes, et puis un qui est différent. Voilà. P bar 3, 2 et 1, ce qui me donne un total de 216 possibilités. Pour l'exercice 30, de combien de façons peut-on choisir 3 romans et 2 biographies parmi 8 romans et 5 biographies? Donc il s'agit de choisir les 3 romans. L'ordre ne semble pas du tout entrer en ligne de compte. Les répétitions, on imagine bien qu'on a des romans qui sont différents et des biographies qui sont différentes. Donc pas de répétition. Est-ce qu'on prend tous les éléments? Non, on veut que 3 romans parmi les 8. Donc combinaison simple. À choisir 3 romans parmi les 8 et 2 biographies et c'est fois 2 biographies parmi les 5. Total 560 possibilités. Pour l'exercice 31, de combien de façons peut-on placer 7 boules blanches et 10 boules noires dans 20 boîtes alignées? Donc nous avons nos 20 boîtes en ne plaçant qu'au plus une boule par boîte. Deux manières de voir la chose. Bon, on pourrait très bien se dire, je place, alors ici j'ai une boule blanche, ici j'ai une boule noire, une blanche, ça c'est vide, etc. Donc j'ai en définitive l'ordre qui va entrer en ligne de compte. Les répétitions sont évidemment possibles, j'ai plusieurs fois le blanc, plusieurs fois N, plusieurs fois V comme vide. Et je prends obligatoirement
tous les éléments. Donc j'ai affaire à des permutations avec répétition de 20 éléments au total, parmi lesquels j'en ai 7 qui correspondent aux boules blanches, 10 qui correspondent aux boules noires et enfin 3 qui correspondent aux boîtes qui restent vides. Donc 20 factoriel sur 7 factoriel fois 10 factoriel fois 3 factoriel, soit un total de 22 170 720 possibilités. Ça, c'est une manière de voir la chose. J'aurais également pu faire la chose suivante, c'est me dire, je commence par choisir, soit je choisis les 17 boîtes dans lesquelles je vais mettre les blanches et les noires, soit, et ça irait plus vite, je choisis les 3 boîtes qui restent vides, et puis après, dans les 17 boîtes, je vais permuter les 17 boules, sachant que j'en ai 7 qui sont blanches et 10 qui sont noires. Ça revient exactement au même du point de vue de la réponse, bien sûr. Pour l'exercice 32, on a une carte des desserts avec des arômes de glace. Combien existe-t-il de desserts différents si on met à chaque fois 3 boules dans l'assiette? Ça veut dire qu'on doit choisir 3 éléments. Alors, est-ce qu'on tient compte de l'ordre? Non. Que je choisisse fraise, pistache et menthe ou dans un autre ordre, ça change rien. Est-ce que les répétitions sont possibles? Bien sûr, on peut très bien imaginer prendre 3 boules vanille. Est-ce que je prends tous les éléments? Bien non, évidemment, je ne peux prendre que 3 arômes au maximum. Donc on a affaire à des... Alors pas d'ordre, c'est forcément des combinaisons avec répétition. Et on a à disposition 8 éléments parmi lesquels on en prend 3. Soit c'est 8 plus 3 moins 1 et 3, c'est-à-dire c'est 10, 3, donc 120 desserts possibles ici. Pour l'exercice 33, lorsqu'on lance un dé 3 fois de suite, combien de séquences peut-on envisager si 2 séquences qui diffèrent par l'ordre des chiffres sont considérées comme différentes? Alors, les séquences qui diffèrent par l'ordre des chiffres sont considérées comme différentes. Ça veut dire que la séquence 1, 3, 2 et la séquence 2, 1, 3 sont considérées comme n'étant pas les mêmes séquences. Donc dans le premier, l'ordre entre en ligne de compte. Dans le deuxième, les séquences sont considérées comme identiques. Donc 1, 3, 2, 2, 1, 3 sont les mêmes séquences. Ça veut dire que je regarde uniquement combien de fois j'ai le 1, le 2, le 3, etc. Donc dans le deuxième, je ne tiens pas compte de l'ordre. Les répétitions sont-elles possibles? Oui, puisque je lance le dé, rien ne m'indique qu'en tirant le dé, si j'ai obtenu le 2 la première fois, rien ne me dit que je ne vais pas obtenir le 2 la fois suivante. Il reste disponible, bien entendu. Donc les répétitions sont possibles. Est-ce que je prends tous les éléments? Eh bien non, puisque forcément, comme je le lance que 3 fois, même si je le lance 120 fois, c'est égal. Je pourrais très bien ne jamais obtenir de 5, par exemple. Donc pas tous les éléments. Ce qui veut dire que j'ai ici affaire à des arrangements avec répétition, pour l'autre à des combinaisons avec répétition. Alors j'ai pour les deux 6 éléments à dispo et je veux en choisir 3. Donc pour le premier c'est 6 puissance 3 et j'ai donc 216 possibilités. Pour le deuxième j'applique la définition c'est 6 plus 3 moins 1, 3, soit c'est 8, 3 et donc 56 possibilités. Pour l'exercice 34 maintenant, j'ai une classe de 18 élèves qui organise un match de basket en choisissant 2 équipes de 5 joueurs. Alors, il y a différentes techniques pour former les équipes, mais on arrivera de toute façon toujours au même nombre. Donc on pourrait se dire qu'on va former une première équipe, c'est-à-dire choisir 5 personnes parmi les 18, puis former une deuxième équipe et choisir 5 personnes parmi les 13. Donc on aura 11 027 016 possibilités. On pourrait faire différemment en se disant je choisis d'abord les 10 personnes qui jouent, puis je choisis parmi ces 10 les 5 qui forment la première équipe et les 5 autres formeront forcément la deuxième équipe, etc. On pourrait très bien se dire je vais choisir une personne pour la première équipe, puis une personne pour la deuxième équipe, puis une deuxième personne pour la première équipe, etc. Le total des possibilités elles-mêmes. Enfin, l'exercice 35. Considérons le numéro de téléphone à 10 chiffres qui commence obligatoirement par 0. Ça veut dire qu'il nous faut encore choisir 9 chiffres. Alors, pour le choix de ces 9 chiffres, est-ce que l'ordre entre en ligne de compte? Bien sûr. Est-ce que les répétitions sont possibles? Évidemment. Est-ce qu'on prend tous les éléments? Pas forcément, non.
Donc, on a ici, puisqu'on commence obligatoirement par 0, j'ai 9 chiffres à choisir avec des arrangements à répétition. 9 chiffres à choisir parmi 10, soit 10 puissance 9, donc 1 milliard de possibilités théoriques. Alors bien entendu, parmi ces possibilités théoriques, j'ai la possibilité 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pour le deuxième, on aimerait les numéros de téléphone qui commencent par 0,27. Ça veut dire que je dois choisir encore 7 chiffres. Donc j'ai A bar 10 et je dois en choisir 7, soit 10 puissance 7, soit 10 millions de possibilités. Combien de numéros ne sont composés que de chiffres distincts? Alors, chiffres distincts, ça veut dire à ce moment-là que l'ordre est toujours en ligne de compte, bien sûr, que les répétitions ne sont plus possibles, puisqu'on veut uniquement des chiffres distincts. Et là, par contre, on va tous les prendre, puisqu'on doit former des numéros de 10 chiffres qui commencent forcément par 0. Et il s'agit donc de permuter les 9 autres chiffres, 9 factoriels, 362 880 possibilités.